Salut, je m'appelle Marie et je suis ingénieure vérification chez Elsys. J'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle Grenoble INP-FELMA. Ensuite, j'ai été prise en stage de fin d'études chez Elsys, à la suite duquel j'ai été embauchée en CDI. Donc ça va faire bientôt 2 ans maintenant que je travaille ici. Ce qui me plaît dans la vérification, c'est plusieurs choses. Déjà, le fait que ce soit un métier qui est central, dans le sens où on va être en contact avec tous les acteurs d'un projet, donc les architectes, les designers, les ingénieurs logiciels, les ingénieurs validation aussi. En plus de ça, c'est un métier qui est complet parce qu'on a besoin de comprendre ce que chacun fait. Et au sein même de la vérification, on va utiliser différentes méthodes et différents langages, par exemple. C'est un métier qui est assez méconnu, je pense, parce que la plupart des ingénieurs en sortie d'école se tournent plus vers des métiers de designer. Et c'est assez dommage. Pour le coup, parce que la vérification, ça peut représenter jusqu'à 70-80% du temps d'un projet. Et il y a énormément de demandes dans ce secteur-là. Alors, durant mon stage de fin d'études chez Elsys, j'ai été amenée justement à créer une VIP, donc c'est une Verification IP. C'est du coup un composant UVM qui va servir justement à parler selon un protocole de communication spécifique avec une IP. Donc, ça va permettre de dialoguer directement avec l'IP, mais aussi d'observer ce qui se passe sur l'interface pour vérifier que le protocole est bien respecté. Alors, depuis que j'étais embauchée chez Elsys, je suis restée du coup chez le même client qui travaille dans le domaine automobile. J'ai d'abord fait un premier projet de vérification où j'étais en charge de toute la vérification top level d'un système. C'était vraiment une expérience géniale en sortie d'école parce qu'on m'a laissé les rênes pour faire toute la vérification top level. Donc j'ai énormément appris, c'était vraiment, vraiment super. Et là, depuis quelques mois, ce projet s'est terminé. Donc du coup, je fais partie d'une autre équipe de vérification, toujours dans le top level. Mais cette fois-ci, on est une dizaine d'ingénieurs. Donc ça me permet de voir encore des manières de travailler différentes. Si je suis restée chez Elsys, encore une fois, c'est toujours pour la vérification, mais aussi parce que j'ai un cadre de vie qui est quand même très cool, que ce soit géographiquement, techniquement, vu qu'on est entouré de beaucoup d'experts, et humainement aussi, j'ai une équipe qui est au top. Ça fait qu'on a juste envie de rester ici, quoi.